Je suis une personne qui vit dans un monde où il n'y a pas de mots encore. Et puis, c'est cela. Extraterrestre, ça va? Comment j'ai commencé à mettre des mots sur les pages? C'est venu très lentement. Déjà à 6 ans et demi, je disais que j'allais écrire des livres de secrets. Je pliais des pages en 4, puis je savais pas écrire. Puis j'écrivais de droite à gauche, je faisais des signes. Puis là, on me demandait qu'est-ce que je faisais. Puis je disais que j'écrivais des livres de secrets. Puis après ça, je pense que j'ai écrit dans ma tête longtemps. Puis je barbouillais, je travaillais beaucoup avec la couleur. Beaucoup, beaucoup. J'avais tout un chemin devant moi et que j'avais juste à avancer dedans et que c'était ma place. Aiguille. Aiguille. Ce n'est plus une tempête, ni cet étourdissement imbibé de silence, ni même un néant ou à peine une pointe évidée. Est-il si fortuit l'usage de soi? Longitude ouverte traçant des empans doux, vastement doux d'accueillir, l'aiguille. Lutter en soi. À force de vibrer, plus rien ne m'atteint, ni la lumière, ni le son, juste vibrer. Ton ombre rit tout bas, tu es faite comme un rat. J'attends, dans la fixité rêveuse, une fuite épileptique, parce que la résistance s'épuise, terriblement vouloir se rendre. Pensée, souffle, se presse, je regarde très fort comme serrer les dents sur la glace. Amère, vient trop vite ta saveur, souille, absente, mes salives. L'attente, les humeurs maculent, le cœur, le fruit sèche, vert, et le silence où je sombre, surtout ne rien manquer de ton rêve, à poursuivre le soleil au fond des cavernes, des seuils s'estompent les reflets, renies-tu ta naissance à jamais? Tu erres comme celui qui cherche le sens de l'unication. Le livre, il est écrit comme une pierre ronde qu'on jette dans une vitre. C'est vraiment... on lit à l'endroit, puis on lit à l'envers, de haut en bas, de la dernière page jusqu'au début. Et le livre est vraiment construit comme un palindrome. Et pour moi, ça a été... Pendant un an ou deux, j'écrivais dans le métro, sur le coin d'une rue, dans un café. Je m'accroupissais, là, puis je prenais des notes, j'ouvrais des carnets, puis je faisais ça. Puis là, je disais, j'écris pas. Moi, j'écris plus, mais non, j'écris pas. Alors, j'écrivais sur les murs. J'écrivais des citations, des phrases, des petits bouts. Puis tout à coup, ça a donné, en ramassant un matin, ça m'a pris comme ça, je me suis réveillée. Je me suis réveillée, puis j'avais écrit les chairs étranges sur un post-it jaune qui était au-dessus de ma tête de lit. Puis un matin, c'est ça, je me suis réveillée et j'ai fait le tour de la maison, de toutes les vestes, de tous les sacs. J'ai tout mis ça sur le lit. Je me suis mis à mettre ça en ordre. Et puis ça a donné le corps des chairs étranges. Son vrai visage. Fluide entre les embrassements, glisse dedans, dehors, semblable
étonnements. Tige parmi la forêt, vive, ondule, tirée de terre, tirée de sève, tirée par les cheveux. Nervure vive, ouvre les mains, retiennent une faille, un heurt. Qu'est-ce que la lumière? Délie jusqu'à ses doigts, par longue aspiration, la buée, quelques salives, la part transmise. Voilà. C'est ça. Perséphone, c'est un printemps. Elle trie les grains, elle trie la qualité d'eux. Parce qu'elle est dans la bienveillance, elle est dans prévoir le futur, elle est dans une vraie qualité intrinsèque féminine. Et je trouvais qu'on devait se rendre ça en tant que femme. C'est une figure hyper féminine. Un archétype, oui, très, très, très actif dans la psyché féminine. Et je me suis dit que ça devait être un des meilleurs moyens de rendre la parole à cet aspect, mais aussi de permettre à ceux qui le reçoivent de faire en sorte que cette part-là en eux se sente, comment je dirais ça, acceptée, viable, entendue, reconnue. Ah, tiens, oui, c'est vrai, ça existe. Ah, oui, c'est pas fou. Oui, c'est vrai que c'est un aspect qui peut être... Oui, on ascend dans le soi et différents archétypes qui bougent à différents moments, mais ils ont des choses à dire. Ils ont encore des choses à dire. Après 6000 ans de silence, ouais, ouais, l'humanité, je pense qu'on en a besoin. Marcher vers la nuit, ce fleuve, ma main tendue, frôle, pierre, margelle, ses lèvres, ma soif l'appelle, lui parle, me boiras-tu, bois-moi que je me rende enfin, oh, ondoiement clair, et cette transparence, mon rivage, ma nuit, une décoction où mes os macèrent, ainsi l'argile reprend la forme qu'est la sienne et la mienne. Car je suis cette plage où dormir, cette forêt où rêver, mais cette terre est cette seule terre.